Nous sommes au télésiège de Sistron, le plus haut des stations du Mercantour, puisqu'il monte jusqu'à 2610 mètres. Et nous allons assister à un exercice de sauvetage sur le câble. C'est notre ami Dédé Emeric qui ferme la piste aux clients. Stéphane, donc ici nous allons faire un exercice de secours sur un télésiège qui va être bloqué exprès, si j'ai bien compris. Voilà, exactement, on va faire un exercice secours sur le télésiège de Sistron. Alors vous allez aller les chercher comment? On va aller les chercher par le câble. Ouais. Donc il y a une personne au sol, une personne sur le câble, ouais, qui descendent siège par siège et qui descendent après les victimes en rappel. Donc on le fait spécialement sur cet appareil à cause du hors-piste et du problème d'accès à l'appareil. Et puis de la pente, j'imagine aussi. Oui, il y a beaucoup de pente, donc les sauveteurs doivent être assez vigilants parce qu'ils sont juste tenus par une corde, ouais, donc il ne faut pas se laisser emporter par la pente. Et après, il faut qu'on voit aussi comment on peut évacuer les gens une fois qu'ils sont dans le hors-piste, comment on les évacue en sécurité. En plus, là, la neige, il n'y a plus de neige, ça a été déclenché, c'est au sol, donc c'est à moitié en neige, à moitié en pierre, donc c'est un peu bon, il y a beaucoup de difficultés, quoi. Ouais, il n'y a que ce moyen-là. Je sais qu'il y avait aussi une espèce de hélipoma à une époque. Oui. Ouais, mais ça, vous ne le faites pas, ça, aujourd'hui. C'est plus au goût du jour, en fait, l'hélipoma. Ça ne se fait plus, ça. Ouais, non, ça se fait plus. D'accord. Bon, ben on va voir ça alors. Donc voilà, on va essayer de faire au mieux pour être en place. Quoi. D'accord. Voilà. Merci. Première étape, on monte les employés des remontées mécaniques en haut du télésiège. Ici, on peut voir un employé de la SEM qui tire une corde d'un pylône à l'autre. Là maintenant, ses poumons et ses cuisses vont être mis à rude épreuve puisqu'ils remontent toute la pente, et que c'est le mont Sistron. Pendant ce temps-là, un autre pisteur va tirer une autre corde qui va éviter la plaque qui n'a plus de neige à cause du déclenchement. C'est pour les gens qui vont être secourus et qui vont devoir évacuer. En fait, ce sont des genres de mains courantes qu'ils tirent dans la pente. Toujours notre courageux employé des remontées mécaniques qui remonte jusqu'en haut. Voilà, tout est prêt, on va pouvoir faire monter les cobayes, c'est-à-dire les faux clients qui vont rester bloqués. Vous allez faire cobaye, vous allez monter sur le siège, être immobilisé. Quelles sont vos impressions? Ben, ça va. Vous n'avez pas peur? Non. Donc, vous avez l'habitude du vide? Très, oui. Bon, oui, donc oui. Tout non, va bien, très bien, pas impressionné? Très bien. Bon, et puis on va voir, vous allez être secouru et par de braves secouristes courageux. Voilà. Donc, pas inquiète du tout. Je suis contente, c'est la première fois que je vais faire l'exercice. Donc, c'est très intéressant, pourquoi pas d'être secouru, de voir un peu comment ça se passe. Voilà, donc non, parfait. Donc, les stations du Mercantour en toute sécurité? Exactement.
Ok, merci beaucoup. Remonter nos faux clients à l'endroit le plus raide et le plus pentu et on va les bloquer. Voilà, on peut voir déjà derrière le pylône un secouriste qui monte. Là, il arrive à la partie la plus délicate, car n'oubliez pas qu'il a des chaussures de ski au pied et un sac à dos avec tout un harnachement. Opération qui se déroule à une vingtaine de mètres du sol quand même. La phase la plus délicate c'est maintenant, il faut qu'il passe les poulies et qu'il s'accroche au câble de l'autre côté à gauche. Évidemment, il faut qu'il emmène tout son barda avec lui sans rester coincé. Là, il va jeter une corde à ceux qui sont en bas pour qu'ils le sécurisent. Voilà, c'est bon, il s'est pendu au câble et les gens qui sont en dessous vont pouvoir le faire descendre en le retenant. Le faire descendre le long du câble, bien sûr, jusqu'au siège. En fait, le pisteur que vous voyez ne va pas secourir le premier siège, ça serait trop facile, ni le deuxième, ni le troisième, mais il va aller faire le quatrième. L'exercice est pour plusieurs et donc d'autres personnes vont monter et secourir les autres sièges.
Là, il ne fait que dire bonjour, passer le siège et aller vers le suivant. Dans la réalité, évidemment, ça serait différent. À gauche, on voit bien la plaque sans neige qui a été déclenchée. Notre sauveteur qui continue son chemin jusqu'au siège suivant. Les explications de Philippe Martin, le chef des remontées mécaniques d'Isola 2000. Non, mais là on fait quatre départs, et donc le premier qui est parti, il va descendre donc les gens en bas de portée, et ainsi de suite, et on va remonter. C'est pour faire passer plusieurs sauveteurs. Ah, parce que là le type, il fait tous les sièges, là, donc... Ouais, mais il fait que des passages pour pouvoir descendre les gens qui sont au fond. Ah, d'accord. Et le sauveteur suivant, donc, il descendra l'avant-dernier siège, et ainsi de suite. Ah, d'accord. C'est pour, dans un minimum de temps, faire passer un maximum de gens. Ah d'accord, donc je vois qu'il y a, y a un autre... Voilà, il y en a un autre qui se prépare, qui va aller, si tu veux, à l'avant-dernier siège. Ah. Le troisième ira donc au deuxième. Ouais, c'est pour qu'ils sachent tous le faire, quoi, en fait. Bah, c'est, oui. Ah, ouais, oui. Qu'ils puissent tous monter au pylône et... Qu'il y en ait un maximum, donc qui ait fait ce passage, donc plus ou moins délicat, parce que ouais, il y a quand même pas mal de... Pour pouvoir y aller, quoi, ouais. Il y a quand même pas mal de pentes. Ouais, donc ils vont tous aller à un siège et après ils vont descendre, quoi. Exactement. En fait, le passage le plus délicat, c'est quand tu es au poulie là et que tu dois... Le passage le plus délicat, c'est le départ du pylône. Voilà. Où tu dois envoyer la corde, enfin te sécuriser et envoyer la corde au mec qui t'assure. Faire attention donc à tout le matériel pour pas qu'il reste accroché une fois que le sauveteur se retrouve pendu sous le câble. Ouais. Parce que là après il n'y a plus de possibilité pour lui de se décrocher. Ouais. Donc c'est la phase la plus délicate. Ouais. Voilà, notre courageux sauveteur est arrivé au quatrième siège et c'est celui-là qu'il va évacuer. Il a passé un baudrier au faux client et avec l'aide de celui qui est en bas, ils sont en train de le descendre tout doucement. Voilà, sauvé, il n'y a plus qu'à suivre la corde qu'a mis en place le pisteur. Pendant ce temps-là, les autres sauveteurs qui font l'exercice sont en train de se mettre en place. Le premier sauveteur, lui, en a terminé. Il va descendre à son tour. Vous pouvez constater que travailler aux remontées mécaniques, ça n'est pas seulement vous tendre la perche, il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Dès qu'il y a une chute de 15 à 20 cm de neige, les pisteurs se lèvent très tôt le matin et vont déclencher les avalanches avec les moyens qu'ils ont à leur disposition, c'est-à-dire le Katex et le Gazex qui sont préparés pendant l'été. Là, il est 5h30 du matin, nous descendons au P1 les rejoindre. Évidemment, les artificiers du service des pistes s'occupent que du domaine skiable.
La tâche ne va pas être facilitée par la météo. Comme vous pouvez le voir, il neige encore beaucoup. Donc aujourd'hui, on accueille avec nous TV9 qui va nous faire une petite pub. Et puis notre ami Philippe de M6. Donc ceci étant dit, bon, comme d'habitude, on est abonné aux 30 cm. Hein, on a eu deux fois 30 cm de neige lourde. Et puis là, on a 30 cm de neige beaucoup plus légère. Je pense que ça va être au niveau du ski, ça va être impeccable. Au niveau déclenchement, d'après moi, je pense pas qu'il y aura vraiment de gros effets, hormis peut-être, comme d'habitude, le gazette, parce que là, c'est des grandes pentes. Mais d'après ce que m'ont dit les chauffeurs ce matin, ça va un peu vanter, donc peut-être qu'au niveau des talus, ça sera un peu les derniers, enfin vous verrez bien. Bon, toujours est-il, je vous rappelle tous donc le minimum de prudence, c'est-à-dire n'oubliez pas de brancher vos arbres, et pensez à tous ceux qui déclenchent, notamment les marmottes et pelvos, les talus. Bon, c'est bien. Au niveau de pelvos, n'oubliez pas de déclencher le côté parc, hein, parce qu'avec le capex, on a bien réfléchi à ce qu'on allait faire avec ça. Ce sera plutôt un déclenchement qu'on fera toujours en fin de journée. C'est assez long, c'est long à mettre en route, etc. etc. Donc pensez bien à toujours me déclencher le côté téléphone de pas. Un bon déclenchement et à tout à l'heure. N'oubliez pas de prendre vos sacs et les artificiers, mais à ce que chaque équipe ait vraiment les deux sacs de déclenchement. Tout le monde sait ce qu'il a à faire dans son propre secteur. Il y en a qui partent en 4x4, d'autres en scooter des neiges. Nous allons avec cela. Nous arrivons au télésiège de cabane qui depuis a été démonté. Il a été remplacé par la télécabine du Mercantour. Scène surréaliste que ce télésiège dans la nuit éclairé juste au départ. Tout le monde se prépare, ici un pisteur qui met des pots de phoque sur ses skis. Nous allons marcher un petit quart d'heure dans la neige jusqu'à la cabane du Catex et du Gazex. Le chef des pistes et ses pisteurs sont déjà à pied d'œuvre. C'est de la dynamite. C'est de la dynamite. De la dynamite, on appelle ça de la géonex, c'est encartouché pour la neige, tout simplement. Voilà, surtout qui permet de glisser dans la neige, qui est plus pratique parce que c'est déjà pré-troué, il y a le trou à l'intérieur pour mettre le détonateur. Sur les côtés, on peut accrocher la corde quand on aura la charge. Donc c'est vraiment un emballage spécifique au déclenchement d'avalanche. Ah, tout à fait. Qu'on ne trouve que pour faire ça. Sinon, en carrière, ce sont des saucissons, tout simplement. 13. Et voilà, c'est prêt. Programmé. Attention à la ficelle. On accroche cet appareil qu'on appelle un descendeur au câble et on l'envoie là où on veut déclencher l'avalanche. Jean-Louis, pour Patrick, est-ce que tu observes des coulées naturelles sur le plateau Grand Tour ? Dans la cabane, il y a un plan avec les couloirs numérotés. Alors, le 4 en premier. Je me suis couru, pardon, sélection le 4, d'accord. Ouais, attends. Attends, en premier c'est le 4 et en deuxième c'est le 2. Je continue. Et là tu as un délai 3 minutes. Vas-y, ouais, tu le mets sur D. Tu le tournes.
tac, 3 minutes, voilà. Donc là, pendant 3 minutes, on est en sécurité complète. Même s'il y en a un qui veut appuyer sur un bouton, il se passe rien, c'est verrouillé. Ok. Sur le détonateur. Donc là, on peut remettre la charge. Voilà, maintenant, tu peux remettre la charge. Là c'est la télécommande, ouais. Donc hop, je l'enclenche, voilà, il va se... Voilà, sélection descendeur, donc je sélectionne le descendeur numéro 1, voilà, c'est celui que nous avons envoyé. Oui, oui, oui. Et puis maintenant, non, là, il se... Là, il n'y a rien qui se passe. Par contre, c'est avec ça que tu fais exploser l'histoire. Voilà, voilà, voilà. Là maintenant, quand je veux, je... Peut-être valette, tout ça, c'est parti. Ok Eric, bon bah tu me tiens au courant. Alors ben là maintenant je vais tirer. Donc descendeur 1, ok, j'envoie. Voilà. Vous entendez, il y a, ouais. Ça bip. Voilà, il y a ça bip, la charge et le descend, on la voit pas, mais enfin elle descend. Et à partir de là, dans une minute, normalement, ça va exploser. Alors là, donc là sur le haut et sur le boîtier électronique, on voit le voyant rouge. Donc il y a les deux voyants du haut, le voyant vert, pardon, il y a les deux voyants verts qui sont allumés. Donc le premier voyant c'est activation du tir, le deuxième voyant c'est la descente de la charge. Le troisième voyant pour l'instant on est en, comment on appelle ça, en période de tir. Et le quatrième voyant ça sera quand ça aura explosé, ça donc la charge va remonter. Voilà. Alors tant que c'est vert ça veut dire que c'est bon, quand ça passe au rouge c'est qu'il y a un problème. Donc là, on n'a pas tout à fait la minute avant l'explosion. Il y a plein de gens qui savent que maintenant, on est informatisé à la fois dans le déclenchement Gazex et à la fois dans le déclenchement Capex. Mais l'informatique, c'est quelque chose de spécial, toi. Et on le voit ce matin. Ce matin, j'arrive. Et bien là, finalement, il est resté anti-vitesse, il n'est pas passé en grande. Et on a un souci, il n'y a pas la remise à zéro. D'accord. Donc c'est quand même l'électronique, c'est-à-dire que l'électronique, il y a toujours quand même quelque chose, il faut pas croire que c'est comme ça. Et c'est jamais arrivé que la charge, elle revienne jusqu'ici, quoi. Ah si, non. S'il y a un raté de tir, il y a des mesures de sécurité qu'on prend, c'est-à-dire qu'il y a une demi-heure de temps d'attente avant de faire rentrer la charge, et puis là, au bout d'une demi-heure, on fait rentrer la charge et on coupe le système. Allez, ok, tu peux envoyer. Donc là, en fait, c'est tout automatique, ça a été tout seul. Là, ça va l'envoyer au poste. C'est lequel, là? Couloir 2. Couloir 2. C'est-à-dire... Voilà. Je vais initialiser donc la télécommande. Ça dépend de quel là-bas. D'accord. Donc on va tirer le 10 sur l'eau, tu nous diras ce qui se passe. Ok, d'accord. Ok, donc ça tu le gardes, mais garde-le avec toi, ça te permet d'être à l'intérieur. Et puis tu t'habilles, tu cales en ski et tu te mets dans la marque du Perchman de Saint-Sauveur. Et puis on te dit quand on démarre. Ok. Hein, et après on ira récupérer. Donc dans 8 minutes ça va exploser. Alors attention, là il y a 5 kilos. Là. Après le Catex qui est un explosif, on passe au Gazex qui est un gaz comme son nom l'indique. Gazex. Résultat par ordinateur en Patrick Lemieux. C'est parti, on sort là. Ouais. Je suis tireur d'avalanche. Je vais rentrer. Oui, il arrive que les pisteurs aient à employer l'ancienne méthode, c'est-à-dire jeter le bâton de dynamite dans la pente comme il va faire sous nos yeux. Voilà, c'est ce qui se passe après chaque grosse chute de neige dans les stations de ski et particulièrement dans les stations du Mercantour.